Shipment est back, mais en 5 contre 5. Est-ce que ça va être mieux? Pas certain. What's up, guys? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de vous abonner, merci d'être présent si vous venez de mes dernières vidéos. Honnêtement, le retour sur ces vidéos-là a été hors de ce monde. Mais si vous venez de là, merci d'être présent, merci d'être encore ici. Je poste à chaque 2-3 jours, donc j'espère vous voir avec moi au courant de l'année. J'ai pris des couleurs, comme vous pouvez voir en ce moment. La raison est que je viens littéralement de revenir de voyage hier. Puis c'est comique parce que ma dernière vidéo qui parlait justement de Skyros qui a répondu à mon tweet, je l'ai publié pendant que j'étais au Mexique, qui est le pays où Skyros habite. Le seul problème est que Skyros est d'un côté du Mexique et moi j'étais en voyage de l'autre côté du Mexique. J'avais pris le temps de calculer pour aller le visiter. Sauf que quand j'ai vu que c'était un petit 36 heures de voiture, je me suis dit, peut-être que ce sera pour une autre fois. Oh oui, c'est vrai. J'ai reçu aussi ma commande de G Fuel. Oh, je l'attendais depuis tellement longtemps. S'il vous plaît, sponsor-moi G Fuel, je vous en prie. Je suis addicté à vos produits. Ça fait des mois que j'en ai pas pris. And here I am, de retour. Si vous pensez que je vais attendre que la game commence pour faire ma première scoop, vous vous trompez. J'ai attendu assez longtemps pour me permettre de faire ça. Oh. Je ne pouvais pas savoir à quel point que je suis content d'être de retour à Montréal. Mais content, c'est un grand mot. Parce que partir de 30 degrés au soleil sur la plage à revenir direct dans une tempête de neige au Québec, j'aurais pris un transfert différent. Honnêtement, j'aurais pris un... Idéalement, ça aurait été moins pire que ça. Parce que correct, je suis pas une mauviette. Je vais vivre avec ça. Oh, yes! Alright, let's go! On est parti, premier kill depuis comme un bon 2 semaines. Fait que shipment en 5 contre 5, hein. Je sais pas si ça a vraiment un impact ou une différence sur comment que la map se joue. Quand j'ai vu qu'ils ont annoncé que shipment allait être 5 contre 5, honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. Ça fixe pas les spawns du tout, parce que... À ce que je peux voir, c'est encore autant n'importe quoi. Mais au moins, on va pas se faire mitrailler en permanence. Let's go, you le dernier. Oh, ok. Oh, ok. J'ai pas perdu la main. Apparemment, j'étais encore là. C'est fou, ça. Ça apparaît que j'ai comme un bon, genre... Ça fait quoi, depuis que je joue depuis 2012 à COD, 2011? Ça va faire 8 ans que je joue à COD, pratiquement exclusivement au snipe. Faut croire que c'est comme du vélo, tu sais, ça se perd pas tant que ça. Je voulais prendre le temps aussi d'adresser dans cette vidéo-ci un peu, tout ce qui s'est passé avec ma chaîne depuis les derniers jours. Parce que toutes les vidéos que vous avez vues étaient préenregistrées. Je les avais toutes faites avant de partir en voyage. J'avais pas dormi pour 2 jours pour les faire. Et honnêtement, j'ai juste fait mes vidéos du mieux que je pouvais. Toutes les vidéos étaient planifiées, tout était déjà prêt. Je m'attendais vraiment pas à ce que YouTube décide de les suggérer à tout le monde. Mais écoute, si vous venez de là, man... Genre, shoot out. Merci, merci d'être ici, man. Je suis ici pour le fun, je suis ici d'avoir du plaisir. Puis, man, si on est plus, je suis content de voir vos visages avec moi, man. Hey, c'est ma kill cam. 1, 2, 3, 4. 5-man multi. Bang! Qui a dit que j'avais besoin de passer l'échauffement? Qui l'a dit, hein? Qui a dit que c'était pas une bonne idée de commencer direct dans ma première game? En 2 semaines de pas de code. Non, je suis vraiment content d'être de retour, man. Vous avez aucune idée. Comme, sérieux, je suis niveau 92. Tout le monde est niveau 152 et plus. J'ai ramené des petits trucs aussi de Cancun. Parce que j'étais à Cancun, je sais pas si c'était précisé. J'ai ramené ça. Je le trouve vraiment cool. Je le trouve original. Comme une tête de squelette. Ça fait un peu morbide, mais écoute, je suis un gars comme ça dans la vie, apparemment. Sinon, j'espère que vous avez passé du bon temps des fêtes avec vous autres. Parce que c'est, comme vous savez, ma première vidéo officiellement que je suis de retour de mes vacances. J'espère que vous avez passé du bon temps à famille, que vous avez profité. Surtout, je recommence l'école demain. Mais j'ai hâte pour de vrai parce que ça va être ma plus belle session d'université à date. Et c'est à ça que je me suis laissé le plus de temps aussi pour faire mes vidéos. En théorie, ça devrait être vraiment bien. J'ai pas pu répondre aux commentaires de ma dernière vidéo parce que j'en ai eu, je pense, près de 100 commentaires. Mais de voir tous les commentaires que vous m'avez laissés, pour de vrai, ça fait tellement chaud au cœur. Je les ai toutes lues au complet, puis... Merci, sérieux, merci. Tout ce que vous pouvez faire pour m'encourager vraiment, c'est juste de continuer à être là avec moi et de me supporter. Sinon, je viens littéralement de revenir pour m'acheter le plus long fil ever. 3 mètres de fil pour ma manette parce que j'en avais pas. J'utilisais celui de mon coloc. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, là, je t'écœurerai, je vais pouvoir gamer assis sur le divan si je veux. Pas sûr que c'est une bonne idée, mais si un jour ça me tente, je peux le faire. Au moins, j'aurais plus jamais un problème d'avoir des fils trop courts ou d'avoir des manettes qui tombent à cause de des fils. Oh, je sais pas pourquoi, mais plus que le temps avance, plus que je commence à détester les fils.
J'ai des fils pour mon headset, j'ai des fils pour ma manette, j'ai des fils pour mon micro, mais tout a des fils. Si vous avez vu mon cable management, est-ce que vous voulez une photo de mon cable management? Vous savez quoi? Je vais vous montrer quoi ça a l'air en dessous de mon bureau. There you go. Je l'ai sur mon cell, à l'appareil à l'écran en ce moment. C'est pas très très beau. J'ai essayé de le faire. Au début, je le faisais dans les années passées. Au début, je prenais mon temps, puis j'ai tout tie-wrappé, mais... tie-wrappé, ça c'est un mot que beaucoup de Français vont pas comprendre. En fait, j'ai tout attaché ensemble mes mots. J'ai attaché mes mots. Mon français, il... Je vais essayer de faire attention à mon français de plus en plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Puis je suis vraiment content de vous voir avec moi. Je suis un des seuls Québécois, un qui fait du gaming sur YouTube. J'en ai deux que je connais. Puis après ça, sur Code, il y a juste moi, je pense. Fait que je suis un peu un one-man team en ce moment. Fait que ça me fait plaisir de vous voir avec moi. Puis après ça, si on va encore plus linéaire, il y a juste Carrolls, moi, puis Saxy qui faisaient du snipe sur Code. Puis qui font encore ça. Avec WarTech qui. Oui, là, puis non, on s'entend. Donc, vous voir avec moi, ça me fait trop chaud au cœur. C'est indescriptible avec des mots. Quoique, faut que je fasse attention avec mes mots, on s'entend. Mais ouais, j'avais essayé de commencer à faire mes câbles d'une façon responsable comme un adulte. Déménager chaque année, comme je fais en ce moment, j'ai dit non, je le fais plus. Je prends même plus le temps. Je veux même plus perdre mon temps avec ça. C'était quasiment plus de trucs parce que si tu veux détacher de quoi après, faut que tu détaches toutes les câbles. C'est juste un gros, gros trouble. Ça a pas tiré, apparemment, je sais pas pourquoi. Merci. En fait, c'est un bug qu'il y avait sur le car avant, qui était une raison pourquoi je l'utilisais plus. Je pensais qu'il l'avait réglé, mais apparemment, il y a encore des bugs des fois. Ou c'est peut-être juste moi qui est pas un pro avec l'arme non plus. Beaucoup de monde m'ont dit aussi qu'ils voudraient que je fasse mes vidéos plus longues. Donc, si ça vous intéresse vraiment, je vais essayer de les faire plus longues, mes vidéos. Essayer de les faire proches de 10 minutes ou moins dans cette section-là. Par contre, si je fais ça, idéalement, faudrait que vous essayiez d'écouter mes vidéos au complet. Parce que sinon, mes vidéos vont juste pas être suggérées. Ça fonctionne comme ça, malheureusement, YouTube. Fait que si je vois que vous êtes intéressé, en fait, je vais le voir dans mes stats, là, c'est pas compliqué. Fais juste les écouter au complet. Honnêtement, ça va faire la job. En fait, si t'es un champion, écoute-la deux fois même. Là, par contre, j'attends à ce qu'aucune personne fasse ça, là. S'il vous plaît, faites pas ça. Si vous avez des vies à vivre, je suis pas une raison pour vous écouter. Deux vidéos de 10 minutes de suite là. Attends, ils ont mis Gunfight 1v1. Est-ce que tu me mets au défi? Parce que moi je vais vous montrer c'est quoi un défi, man. Il est niveau 100. Bon, parfait. Ça va être un bon challenge. Il y a une emblème de sniper. Parfait. Allons-y. Quand tu veux, mon gars. Il y a un même principe. Classe déjà faite. Alright, baby. T'es prêt à jouer, mon homme? Je sens qu'ils ont rajouté 1v1. C'est le pire scope. Bon, je suis désolé de te dire que t'es mort, là. Et voilà. Merci, bonsoir. Elle est partie. J'aime comment je l'ai dit d'avance, tu sais. Je suis désolé de t'annoncer que t'es mort. Ouh, petit pistol, j'aime ça. Ça, c'est mon genre de truc à la John Wick. Let's go, baby! T'as aucune chance! Ah, c'est vraiment cool! Je pensais pas que ça allait être cool comme ça, pour de vrai. J'espère qu'il y a des bonnes classes, parce que s'ils nous sortent des vieux LMG, ça va pas être... Ouf, ok. Je t'ai vu. Et voilà, mon homme. En plus, faut qu'on garde le contexte que je suis dans les premières 30 minutes de moi qui n'ai pas joué depuis 2 semaines et demie, là. Si tu mets un autre arme qu'un sniper, ça rend la tâche un peu difficile aussi, là. Je pense qu'il est à gauche, moi. Et voilà. Et tabarouette que je connais cette map, mon homme. Ouh! Ouh! C'est où que tu t'es mis? Est-ce que tu t'es mis sur le glitch? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr! Pourquoi j'ai pensé que tu serais écrit par d'autres, hein? Ton nom, c'est Crazy Cracker. Come on! C'est sûr que t'allais te mettre là. Oh! M4, hein? Ils sont tellement pas bonnes, leurs armes. Il y a quoi? Il y a 10 balles dans cette M4, là? Qu'est-ce que je pourrais faire avec une M4 à 10 balles? Faire ça, hein? Faire ça! Merci, tu te rassois. Ça doit être premier à 6. Ça doit, là, je veux dire. Je vois pas pourquoi ce serait autre chose que 6.
Merci de ta participation. Let's go! Tu t'es fait clap, mon cher. Imbattu. 1-0. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, ben c'était plaisant. Écoute, ce fut ma partie. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai fait le tour. Je suis rentré, j'ai eu ma win, puis je suis sorti. Merci.